Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cet écran. Oh la vache! Ça me rappelle Donjon Mystère, le message là. Deux personnages, je les connais là grâce à Fire Emblem Heroes, sinon je les connaîtrais pas. Fear. Non. Ars. Elle, je la connais pas par contre. C'est censé nous faire avoir une crise d'épilepsie? J'ai une gourde de boutons. Ah, on y va en difficile, hein. Allez. On va bien voir, on va bien voir, hein. Le mal avait jadis envahi notre monde, d'épouvantables créatures déferlèrent en masse, emportant l'humanité jusqu'aux portes du néant. Abattus et impuissants, les hommes implorèrent les cieux, une lumière leur donna espoir. Les pierres sacrées. Ces cinq trésors avaient le pouvoir de repousser les forces du mal. Le héros Grados et ses fidèles utilisèrent les pierres sacrées pour combattre le mal. Ils parlent d'emprisonner l'âme du roi des mondes dans les pierres. Le mal ayant été banni de ce monde, la paix régna de nouveau sur Magvale. Et là, cette paix allait s'avérer très fragile. Le continent de Magvale. Bon, déjà, il a l'air d'être beaucoup plus beau que les autres puces que j'ai fait sur GBA, là. Pendant 800 ans, la paix régna en l'absence des terribles forces obscures qui avaient envahi tout le continent. Les pierres sacrées sont des reliques transmises de génération en génération. Leur pouvoir et leur héritage constituent les fondements des nations de notre monde. René. Ok, il y a un royaume qui s'appelle René. D'accord. René, ce royaume est dirigé par Phados, l'excellent roi guerrier. Freya sera utilisée par Aiden, le vénérable roi sage. Jeanna sera utilisée par Ismer, la reine des dunes. Rosten, cette théocratie est dirigée par Mansell, le monarque divin. Ça va, les titres pompeux? Grado, ce puissant empire dirigé par Vigar, l'empereur Tactiturne. Cinq nations hébergent le pouvoir des pierres sacrées. Une série de nations est en train d'émerger. Il s'agit de la République Mercantile de Carcino. En ces temps de paix, les récits des conflits passés sont devenus légendes. Toutes les atrocités de l'époque obscure ne font plus que souvenir. Nous sommes maintenant en l'an 803. Des événements terribles ont frappé le continent de Magvale. L'Empire de Grado, la plus vaste des nations des pierres sacrées, a envahi le royaume de René sur ordre direct de l'empereur Vigar.
Fidèle à Edgrado, René est pris au dépourvu, le royaume est incapable d'organiser sa défense. Les forces de Grado continuent leur avancée, élargissant très vite leur zone d'influence. L'angoisse du roi Fado redouble car son fils, le prince Ephraim, ne donne aucun signe de vie. Les soldats de Grado se trouvent maintenant au port du château de René. La déchéance de René est imminente et inévitable. Votre Majesté, j'apporte de terribles nouvelles. Les défenses de Chaux ont été percées et les forces de l'Empereur Vigar se trouvent à l'intérieur de nos fortifications. Je comprends. La garnison a été vaincue. Nous avons perdu le contact avec le prince Ephraim. Et nous ne pouvons pas compter sur l'aide de ces hommes. Votre Majesté, quels sont vos ordres? Avons-nous le choix? Dites à vos hommes de déposer les armes. Père. Erika. Portes-tu le bracelet que je t'ai donné? Oui, toujours. C'est bien. 7. Oui, votre majesté. Emmène Erika à Frelia. Le roi Aiden est un homme bon et respectable. Il vous protégera. Entendu. Et vous, votre majesté? Moi, je vais rester ici. Nous avons longtemps compté Grados parmi nos alliés, mais... voilà que son armée nous attaque. Je dois savoir pourquoi. Suis-je responsable de cette tragédie? Ai-je failli dans mes devoirs de dirigeant? Je dois guider René. Comme ai-je pu échouer dans ma tâche? Père, tu ne peux pas rester ici. Tu n'en as pas le droit. Si tu refuses de partir, j'en ferai autant. Tête, emmenez-la immédiatement. Père! Pardonnez-moi, votre majesté. Ephraim, Erika, vous devez survivre. On va essayer, hein. Général 7. Franz, va prévenir Frelia que nous sommes en route. Un cavalier solitaire a plus de chances d'échapper à la garde des soldats de Grado. J'avertis le trône des événements qui se trame ici. Et demandez des renforts. À vos ordres. Dame Erika, nous devons... vite, derrière moi. Dites-moi, ces jeunes filles, ce ne serait pas la princesse de René? Formidable, c'est mon jour de chance. Vous êtes un homme mort quand ta fille elle vient avec moi. Jamais. Ah, je suis Walter, la pierre de lune. Je suis aussi le plus grand général de Grado. Vous êtes un corps qui ne sait pas qu'il est mort. Non, l'interface est beaucoup plus belle que les autres opus, hein. Ah! Non! Malgré ses terribles blessures, il continue d'accomplir son devoir. Ah! Comme c'est amusant! Envole-toi, mon garçon, envole-toi! Essaye de distancer la mort! Ça me laisse plus de temps pour savourer ta capture et ton exécution. D'America, par là, on dirait bien que la voie est enfin libre. Nous avons réussi à aller semer les hommes de Grado et à venir jusqu'ici. Nous avons bien mérité de nous reposer un peu. Pardonnez-moi de vous avoir saisi le bras aussi brusquement. Ne dites pas de bêtises, Seth. Sans vous, jamais je n'aurais pu échapper vivant du château. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en sais gré. J'ignore qui était cet homme, mais c'est après moi qu'il en avait. Vous avez été blessé à cause de moi. Permettez-moi de vous soigner. Votre Altesse, je ne peux pas laisser une blessure aussi anodine que celle-ci nous retarder. Nous avons d'importantes affaires à régler. Nous devons nous dépêcher de regagner Frelia. Les ordres de notre roi doivent impérativement être exécutés. Je me demande comment mon père s'en sort au château. Vous croyez qu'il va bien? Et qu'en est-il de mon frère? Nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs jours, maintenant. Bon, Fado et Prince Ephraim sont des hommes avisés et courageux. Si vous voulez mon avis, même les forces de Grado ne seront pas en mesure de les tenir en échec.
Le plus important, votre intérêt, c'est votre sécurité. Comme ces deux-là seraient tristes si quelque chose venait à vous arriver. Nous devons aller à Frilay pour veiller à ce que votre famille soit bientôt de nouveau réunie. Oui, vous avez raison. Je dois garder espoir jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Bien, Seth, mettons-nous en route. Une fois que nous avons traversé ce pont, nous serons à Frilay, près de la frontière de Mulan. Venez d'América. Votre intérêt, je ne vais pas mentir, cela risque d'être très éprouvant. Veuillez accepter cette rapière. S'il n'y a rien que ça, vous devez vous rendre à Frilay sans moi. Hé, hey, où est là-bas, chien de renier? Vous croyez vous aller comme ça? Diantre, les hommes de Grado. Reculez d'América. Ça va aller, Seth. Mon frère m'a tout appris sur le combat à l'épée. Je vais me battre avec vous. Salut, pourquoi tu me parles de Xenoblade Chronicles? Oui, donc lui, il fait juste un génocide, en fait. Hein. Ce qui me plaît pas, à vrai dire. Elle a quoi sur elle? Ah là, putain, mais franchement, par rapport aux autres opus, cet opus, il est beau. L'opus A, il est beau, hein. Prends du 9 de dégâts, ouais, c'est quand même risqué. Ouais, je peux juste en faire un seul à la fois, en fait. Ah non, mais ils sont franchement beaux, hein. Là, il est franchement beau. Bon, il est un peu très éclair. Ah, on va XPL, hein. Si jamais elle se fait attaquer, bah, je la sauve, au pire, hein. Bah, si elle se prend un coup, au pire, je mets l'autre en mode protection. Ça fait un peu bizarre que ça ait aussi gras, tu vois, les contours des fenêtres, machin, mais bon. Ça fait bizarre, mais bon. Il est vachement plus beau, quand même, là, franchement, il fait plaisir à l'œil. Ah, il fait plaisir à l'œil, l'opus, là. Ah non, franchement, là... Eh, j'y joue en mode difficile, hein. J'avais trouvé une sauvegarde sur Internet pour... Là, j'y joue en mode difficile, hein. J'y joue pas en mode... Oh, bien sûr, le critique maintenant. T'aurais pas pu le faire tout à l'heure, le critique. Ça m'aurait iconisé la rapière, hein. Il ne reste plus que leur chef. Waouh, merci, mec. Je n'en étais pas rendu compte. Waouh. Il y a moyen qu'il le viole, lui, tout seul. Il y a pas moyen de voir. Ah, d'accord, si. Ok, mec, il a pas de puissance. Quoi, tu crois pouvoir me défier, toi, une mauvaise bourgeoise? On tous la folie des grenades, mais il est temps que je vous remette les idées en place.
Il va mieux remettre les idées en place, mec. Bon, on va voir combien il me fait dégâts, hein, quand même. Ne... Ah, je l'attaque pas deux fois. Et il m'est cher. Et lui, il fait comment? Il le viole. Bon, ça m'intéresse pas. Alors, on va la faire jouer, hein. J'ai d'accord l'honneur de mourir en première. Pas en premier, mais en première, hein, vu que c'est une fille. Hein. Oui, critique! Allez, one shot! Hein, comment? Bah, tu t'es pris un critique? Je suis censé être en mode difficile, là, rassurez-moi. Bon, c'est le premier truc, bon. Ah, dommage, elle a pas gagné le point de défense. Ah, dommage. Madame, êtes-vous blessée? Ah non, elle a tout esquivé pour l'instant, ça se passe bien. La RNG me troll pas. Comment? Ah non, je vais bien, 7. Mais vous êtes si pâle. Je vais très bien, mais... C'est ça, la guerre? T'entends pas au jeu auquel je jouais avec mon frère ou mon ami Lian? Jamais j'aurais pensé que... Tu m'attendais pas à tant de barbarie. Tout dialogue serait donc futile, la force est donc peut-être tout ce qui compte. C'est tellement triste. Pourquoi l'Empire de Grado a-t-il agressé notre pays? Pour quelle raison ont-ils commencé cette guerre? Madame. Rassurez-vous, Seth. Je ne compte pas me renfermer dans la tristesse. Partons. Oh bah, je vais pas rusher alors. Non mais il n'y a pas de niveau de difficulté plus dur que difficile. Hein. J'ai pris une sauvegarde avancée, donc là c'est le maximum quoi. Toujours en un seul morceau et je continuerai jusqu'à ce que mon pays soit de nouveau prospère. Je connais jusqu'à ce que je retrouve mon père et mon frère. Tu vois, j'avais déjà fait un truc, j'avais déjà fait une game pour tester que j'avais bien le mode difficile. Mais j'avais passé tous les dialogues pour pas... Parce que je m'en foutais, je voulais juste voir. Mais quand même, il est beau, hein. Ah, par rapport aux deux autres que j'ai joué, il est beau. Dame Tana, les forces de Grado approchent. Comment déjà? Ah, nous sommes pris de court. Madame, nous ne sommes pas en mesure de servir votre défense. Vous devez retourner au château de Frelia. Mais je ne peux pas, il est encore trop tôt. Nous devons d'abord retrouver Erika et ses compagnons. Erika est mon amie, elle a besoin de mon aide. Jamais je l'abandonnerai. Oh, je sais. Allez demander un renfort à mon père, au roi Aiden. À vos ordres, Votre Altesse. Erika, fais attention à toi. Commandant Breguet, l'ennemi semble fortifier sa position à l'intérieur du château. Les hommes sont tenaces, mais ils ne sont pas prêts de nous arrêter. Quels sont les ordres, ma commandant? Ah, les ordres, continuez-vous de rester là et de regarder. Je les écraser moi-même. Comme vous voulez, commandant. Oh, le critique en plus! Ah, il a pas de chance, il prend un critique à 1%! Je sais pas si soumis à la région du pays le combat là. Ah, voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier ma lance. N'avancez pas! Ordonnez à vos hommes de battre retraite ou vous le regretterez! C'est une promesse et. Et d'abord, ouais, j'ai appuyé sur le bouton sans le voir. Seth, regardez! Je vois, l'armée de Grado a déjà atteint Frelia. Cet endroit est trop dangereux. Nous ferons mieux de contourner Mulan pour nous rendre directement au château. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer. J'étais là lorsqu'ils ont envahi René. Vous avez vu ce que j'ai vu. Vous avez aussi été témoin des sévices que les hommes de Grado exerçaient sur les villageois. Ils ont détruit nos maisons et volé notre soeur et kidnappé femme et enfants. Ceux qui risquent ont tous été exécutés de sang-froid. Je vous en supplie, Seth, je dois intervenir. Nous devons mettre un terme aux atrocités de Grado. D'accord, je comprends. Nous devons peut-être reprendre le contrôle du Mulan. Vous devez me promettre d'agir avec prudence. Votre peuple a plus jamais besoin de vous, madame. Cela va de soi, Seth. Bien, allons-y. Est-ce que visiter la maison me donnera un truc ou pas? Ou vu que c'est pas un toit rouge, c'est juste des infos à la con. Et alors, sur l'engrais, les soldats de Grado ont réellement pris le contrôle du château. Drake s'occupe aussi les portes du château. Les portes augmentent la défense et soignent les blessures. Ok, donc on s'en fout. Ça sera procédé. Eh bien, c'est mon jour de chance. La cible de la fortune se rue vers moi.
Remets-vous, bande de nuages, amenez-moi la fille. Sir Guillaume, est-ce Mulan? Nous sommes arrivés à la frontière de Freya. Oui, la princesse Zana doit être à l'intérieur du château. Mais regardez autour de vous, il y a des soldats de grade d'eau à perte de vue. Où est la garde du château? Mulan serait-il tombé? Arrivons-nous trop tard? Il sait à dire d'où nous sommes. La princesse Zana ne court aucun risque s'ils utilisent comme moyen de pression. Nous devons la sauver. Oui, bien sûr, nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous devons avancer et reprendre le contrôle du château. Ensuite, nous irons prêter main forte à la princesse de Tana. L'armure que je porte est et d'une robustesse à toute épreuve. Je prends les cornes, couvrez-moi. Ok, lui il a la lance, il a l'épée. Lui il a juste une lance. Ah merde, j'ai oublié d'activer leurs animations. Lance, il est quel niveau? Niveau 1. Niveau 4, ouais. J'ai bien fait de garder l'XP pour lui. Ah oui, d'accord, il le frappait deux fois, lui, d'accord. Tiens, je me suis fait toucher. Pas bien que ça arrive. Depuis tard, je m'étais pas fait toucher. T'aurais pas pu gagner un point de défense? Ça aurait été plus utile que le point de résistance. Bah lui, il sert à rien, il est niveau 2, donc on va éviter de le faire attaquer. Ça, c'est bien. Bah, elle fait du 11 de dégâts même sur les mecs comme ça. Pff. Ah putain, ça me change des lords des autres opus où au début ils étaient des sous-merdes. Hein. Elle est puissante Erika et en plus critique. Ah putain, elle est puissante Erika en début de game. Ah faut voir après ça aura de bon level mais... Ah pour l'instant... Elle fait le taf hein. Elle fait clairement le taf hein. On va faire plutôt attendre. Parlez. Ok, vas-y. C'est bien toi, France. Quelle joie de te retrouver indemne. Oui, moi aussi, je suis heureux que vous allez bien, général. C'est longtemps que vous serez à leur tête. Les chevaliers de René ne pourront pas perdre. France, nous devons allier nos forces pour approcher la princesse Erika. Je veux que tu viennes avec nous. Vous accompagner sera un honneur, monsieur. Ah non, mais il a l'air facile pour l'instant le jeu. Je dis pour l'instant parce que ça va peut-être se corser, mais par rapport aux autres opus, celui-là il a l'air assez facile. Hein. Par rapport aux autres opus que j'ai fait avant. Il m'a l'air assez facile. C'est pas pour être méchant, mais bon. Alors on va pas utiliser la lance d'argent, hein, on va utiliser l'épée acier, hein. Ça fera des dégâts honnêtes. Bah, quel bordel style on m'a collé. Donc c'est un coup critique ce point qui me ferait bien chier.
Ouais. J'ai déjà trouvé l'embas de René. Ne laissez pas s'échapper. Je reste pour tuer les... Ouais, je vais rester pour les tuer. Ouais. C'est quoi le... guide? Attends, mais c'est quoi l'objectif? Ah, comment on voit l'objectif? Ah merde, putain, c'est marqué en haut à droite de la map. Putain, je suis con. Marqué en gros, prendre la place. Ah merde, il manquait pas grand chose. Au pire, j'ai des potions. Voilà. Pire, ça n'achève pas. Mais j'ai plein de potions réserve pour l'instant. Du 69 quand même, j'aurais pu toucher. C'est moi, il fait 14 de dégâts, le mec. Ouais, on va pas risquer parce que je savais qu'il faisait 14 de dégâts, donc... Lui va tenir les mecs là en respect. Oui, bon, toi, tu vas, si tu fais des levels comme ça, tu vas être une sous-merde. Elle peut le tuer, donc je vais le tuer. J'ai pas de chance, hein. Ah, je savais que ça allait faire son level. Ah, bon, elle gagne de la force, mais... Ah, oh, le truc qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Tiens, prends cette potion. Le mec, c'est qu'il est vraiment full régène. Il y a 18 points de vie, donc on va éviter. Ouais, ça gêne que 10 PV cette merde, ouais. Enfin, c'est des potions, mais bon. D'ailleurs, tiens, ça soit que vous allez bien. Franz, vous êtes indemne. Oui, votre attaché contre Sir Guillaume de Frelia. Je l'ai informé de la situation de René. Il m'a dit que la princesse Tana court un grave danger ici à Milan. Nous sommes venus aussi vite que nous pouvions. Tana est ici. Franz, il faut faire vite. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de truc de nombre de tours parce que je prends mon temps. Ouais, il a laissé à 2 points de vie, maintenant faut espérer que... Ouais, on va éviter. On va se re-remplir. Bon, on serait deux coups, je vais bien toucher, non? Et deux coups qui me restent, je vais bien toucher. Deux coups à 72, à 71. Ah, c'est lui qui a loupé. Allez, c'est moi qui touche. C'est impossible, je... Ah non, sérieusement, ça n'a pas fait son level.
Y'a quelqu'un qui peut prendre les places, à mon avis? Ouais. Dame Tana. Sœur Guilliam, je suis désolé, je voulais pas être une source d'ennui. C'est pas grave, je vais pour vous servir, madame. Tana! Erika, c'est vraiment toi? Non, c'est le diable. Tana, qu'est-ce que tu fais si loin du château de Frélia? La chute de René m'a beaucoup inquiété, alors... Ah, qu'est-ce que je veux te voir saine et sauve? Mais où est Ephraim? Comment va-t-il? Ah, si seulement je le savais. T'es venu tuer sans nouvelle de lui, pour lui qu'il n'ait pas été blessé. Vite, nous devons nous rendre au château de Frélia. Mon père sait peut-être quelque chose. Merci, Tana. Erika et ses compagnons ont repris le contrôle de la frontière de Mulan. Aux côtés de la princesse Tana de Frélia, Erika se dirige vers la capitale de la capitale frélienne. Oh, Tana, je suis heureux de voir que tu es rentré en un seul morceau. Je me suis fait un sang d'encre en apprenant ce qui t'était arrivé sur la frontière de Mulan. Ne meurs plus jamais sans ma permission, me suis-je bien fait comprendre? Ne te mets pas dans des états pareils, papa. J'apporte d'excellentes nouvelles. Erika approche. Votre Majesté, je suis heureuse de vous revoir malgré un contexte difficile. Ah, Erika, mon cœur se réjouit de te voir saine et sauve. C'est gentil, j'ai pu m'enfuir de justesse avant la chute de René. J'ignore si mon père... Oui, j'ai reçu des nouvelles de ton père. Tu dis-moi, Majesté, comment va mon père? Le roi Faudos, mon ami, n'a pas survécu à la prise d'assaut de René. Non, c'est impossible. Pas tranquille, l'Empire de Grado sera puni pour sa lâcheté. Frélia en fait le serment. Erika, va te reposer, j'ai l'inutile d'être exténué. Votre Majesté, vous savez que le prince Ephraim a disparu, n'est-ce pas? Oui, il semble que le prince et ses hommes se battent farouchement contre les soldats de Grado. Il paraît qu'il a mené ses forces jusqu'aux portes de l'Empire. D'après le rapport, ils ont franchi la frontière et se battent à Renval. Mon frère est en train de se battre? Oui, c'est une information qui a pas coûté la vie à mes chevaliers Pégase. Malgré la destruction de René et de son armée, le prince est allé attaquer l'ennemi de front. Je reconnais là le fils de Faddos. Quel jeune homme courageux. Je souhaite qu'il sorte indemne de tous ces combats. Votre Majesté, je vous remercie pour votre hospitalité. Mais je ne peux pas rester. Je dois rejoindre mon frère et lui prêter main forte. Mais c'est de la folie! C'est aussi bien de moi qu'il s'agit là d'un plan suicidaire. Je trahirai la mémoire de Faddos en te laissant courir à ta perte. Reste ici, reste pour pleurer la mort de ton père. Laisse cette guerre aux guerriers. Je sais que ça part d'une bonne intention, votre majesté, mais je viens de perdre mon père, et si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère jumeau. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que mon frère risque sa vie. Hélas, René n'a plus d'armée. Grado a éliminé tous ses soldats. J'aurais souhaité que Frélia puisse apporter quelques soutiens, mais... Mon fils Inès est parti pour affronter les forces de Grados. Nous avons donc besoin de tous nos hommes. Tes chevaliers ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir tenir tête aux forces de Grados. Veux-tu tout de même y aller? Oui. Je vous prie de m'excuser. Aussi t'es-tu que ton père, hein? Que puis-je faire face à tant de détermination et de témérité? Vanessa. Mais dire que Paz était pressé de me voir sur ce jeu et il est pas là. Oui, votre majesté. Mulder. Qu'y a-t-il, mon roi? Bon, à mon avis, eux, c'est le convoi. Guilliam. Vous désirez, sire? Vous avez accompagné la princesse Rika de René jusqu'à Grado. Je veux que vous l'aidiez à sauver son frère. C'est une mission sérieuse que vous me confiez là. Peu importe, c'est ça, nous accomplirons notre devoir. Nos vies sont à vous. Ils sont mes sujets les plus fidèles et dévoués. Ils sont certainement en mesure de t'aider au cours de ton voyage. N'oublie pas qu'un tel combat exige un équipement approprié. Je vais faire apprêter un convoi pour le transport de tes armes et provisions. Ah, c'est cool, tu débloques ça dès le début du jeu. Ah, le convoi, pouf. Il sera toujours près de toi où que tu ailles. Votre Majesté, je merci infiniment. Non, tu me resteras quand tu reviendras, avec ton frère le prince Ephraim. Oui, votre majesté. Oui, de l'argent. Erika, tu n'as tout de même pas à te jeter dans la gueule du loup. Je comprends que tu veuilles te rendre utile, mais c'est trop risqué. Et ainsi, si tu faisais capturer par les hommes de Grado? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Tana. Mais je n'ai pas le choix, je dois y aller. Erika. Oh, comment sommes-nous arrivés là? Où va le monde, Tana? Pourquoi l'Empire de Grado a-t-il ordonné cette invasion? L'empereur Vigard est un homme de paix, son peuple l'adore. Qui plus est, Ephraim et toi et tes amis du Prince Leon, non? Qu'est-ce qui a motivé cette folie? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne saurais répondre à ces questions, Tana. Aussi incroyable que ça puisse paraître, nous sommes en guerre. Si je ne fais rien, je risque de perdre aussi mon frère. Tu dois me battre, c'est la seule réponse que je peux te donner.
Ah non, c'est un heal. Ah, j'ai pas l'autre avec moi. Ah merde, je pensais que j'aurais Tana avec moi comme Pégase. Ah non, bon, bah moi j'ai déjà un heal. Le roi Eden disait ne pas pouvoir mettre ses soldats à votre disposition. Mais il fournit à Erika une petite escorte composée de sujets extrêmement loyaux. Erika remercie le roi pour son aide. Alors chez son frère, elle part en direction de Grado. Le groupe s'arrête à Idé, un village isolé qui était jusqu'à récemment rattaché à René. C'est là qu'Erika prend conscience de l'ampleur des dégâts que l'invasion de René a causé. Non, franchement, il est beau ce Fire Emblem, hein, sur GBA. Quand tu compares deux aux autres qui étaient vraiment hideux, celui-là, peut-être adresser le terrain de notre voyage. Nous allons partir par le sud, traverser Seraphiu, puis pénétrer dans le territoire de Grado. C'est un plan qui me semble raisonnable, en supposant bien sûr que nous puissions éviter tous accrochages et forces de Grado. Derrica, maîtrise-vous à partir en éclaireur? Depuis ça, je pourrai mieux repérer les troupes qui approchent. Nous attendons vos ordres, votre Altesse. Allez-vous nous donner votre autorisation? Oui, bien sûr. Faites attention aux archers, Vanessa. Oui, votre aide, je serai un peu plus prudente. Je vais lui montrer digne de la confiance que vous m'accordez. Elles sont vraiment sincères. Sincères, oui, en effet. Oh oui! Plein de villages. Hé, hey, chef, nous avons trouvé d'autres villages qui ne demandent qu'à être pillés. 1, 2, 3. Ah ah, j'adore la guerre. Tous les soldats sont si affairés qu'ils ne font piller les maisons sans être dérangés. Bonne. À toi de jouer. Vole tout ce que tu peux et emporte le butin à la planque. T'es comme si c'était fait. Papa, les bandits approchent. Tu n'as aucune crainte à avoir. Reste près de moi. Commençons au passage là-bas. Allez-y les gars, dites à vous. Débarrassez-vous de tous ces imbéciles qui osent protester. Moi, je vais à l'ouest dans les montagnes. Il y a de très beaux villages listés dans le coin. Non! Un village de moins! Mon drop! Nya! Oh, ce qu'a-t-il, ça ne va pas? Ne t'en fais pas, c'est juste une égratignure. T'as guéri, papa. Et je suis ton fils, j'en ai dans le ventre, tu sais. Ne risque pas ta vie aussi bêtement. Nous devons te soigner. Allez, que quelqu'un vienne au secours de mon fils! On dirait que c'est du sérieux. Je dois immédiatement aller en informer la princesse Erika. J'apporte de mauvaises nouvelles. Le village situé à l'est vient d'être attaqué par des bandits. Des bandits? Nous sommes confrontés à notre tout premier dilemme. Nous devons avancer aussi rapidement et discrètement que possible, mais je ne peux pas fermer les yeux quand des innocents souffrent. Vanessa, comment vont les villageois? Je repère un blessé, il s'agit d'un enfant. Père Mulder, est-ce que votre bâton peut aider? Eh bien oui, je peux soigner n'importe quelle blessure au moyen de mon bâton. Mais d'ici c'est impossible, l'enfant est trop loin. Je dois me rapprocher de lui. Madame, laissez-moi m'en occuper, je vais aller chercher le garçon et le ramener ici. Rien à ça, vous avez carte blanche. Alors j'y vais. Donc nous avons le premier mec à la hache du jeu. Ok d'accord, nous avons deux mecs à la hache. T'es niveau 1, t'es niveau 4. Défense 3, vitesse 7, vitesse 3. Ah ouais! Si je rajoute 3, lui il est déjà meilleur en vitesse. Hein. Parce que même s'il fait full niveau vitesse, il atteindra que 6 au niveau 4. 2, 3, 4, ouais. Il atteindra que 6 en vitesse au niveau 4. Hein. Ah mais il y a un village en bas! Il y a un magasin. Bon, vu que je peux rien faire avec eux, on va visiter. J'étais seul par un garçon le plus beau du monde. Il portait un habit de mercenaire, mais il était élégant comme un dieu. Il m'a donné cet exil pour vous aider pendant vos combats. Ouais. Une drop de merde. Que terrible, qu'allons-nous faire? Les bandits se rapprochent. Si nous ne trouvons pas le moyen de nous défendre, le village est perdu. Peut-être que... Attention tout le monde, fermez les portes du village immédiatement. Vite avant que les bandits n'arrivent. Qui êtes-vous? On dirait que vous n'êtes pas du coin. Après votre attrait, vous n'êtes pas une paysanne. Je m'appelle...
Mon nom est Irina, je suis mercenaire. Une mercenaire appelée Irina, j'ai l'impression que vous êtes bien plus que ça. Mais peu importe, ce sont pas mes affaires. Je suis pas encore présenté, n'est-ce pas? Je suis Selena, générale au service de leur piste de Grado. Ah! Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. On dirait que des bandits importunent ces villages sans défense. Je voudrais aider, mais j'ai reçu des ordres plus urgents. Je dois me rendre à la capitaine maintenant. Je ne peux pas rester. Vous êtes armés et vous...